Bah, il faut payer avant d'entrer. Ils ont prévu de faire dehors. Maintenant, à la fin. C'est-à-dire, ils seront obligés de payer. On peut faire sous la pluie aussi. C'est toujours stylé. C'est stylé. Et puis, les spécial. Les messieurs de l'État, là, comment ils partent, hein? Oui, il est payé. Il va payer les extras pour la météo. Tu utilises mon iPod? Yeah. I think it's not gonna take my extra. C'est bon. Bon, je vais aller reprendre les autres. Tous ces jeunes là vont se marier aussi bientôt là. La vie est compliquée. Je couille, c'est possible que je fasse là. Vraiment. Que vous êtes beau. Hey les gars. Kalen, comment ça va? Est-ce que la base est complète? Tu as jeté tes lunettes? Tes lunettes, tu l'as laissé. Ok. Tu sais bien voir? Ou bien tu as mis des histoires? Ok. Les parapluies, c'est pour eux. Ils sont des gens de comme ça, on voit là où ils sont. Moïse n'est pas encore là, il est en train de revenir. Il est en train de revenir. Il était là, il est reparti. Ryan, tout le monde est au banc, il est au mine. C'est bien. C'est beau. Ça va. Another tie. You know what I mean? Bow tie. Okay. Very virginous. You know what I mean? Bow tie. Tu vois, ce sont des cafards partout. Hein? Ça c'est moche. C'est parce que les Chinois ont mangé. Ça, c'est le colocté. Hein?
Il est capable. C'est l'araignée, non? Il est venimeux. Très. Il est très dangereux. Celui-ci est très dangereux. Ça, ça te tue. Si ça sort, si ça sort. Tout le monde comme si on criait les. Ouais. Bon. Ah, ça sent les. Il y a les trash, ça m'a. Au coin là, ça y est. Jordan, move un peu. Garde, regarde ici. Garde. Kangatal. Okay.
Il a quitté Joël. Je remercie même l'église pour l'avoir accueilli et tout. When we stay now, from here it's 40 minutes. No, to come here. Where are you staying? I hope you don't mess up. You don't mess up already. No, it's his birthday. Happy birthday, brother. May God bless you. Yuri. How old are you? I'm about to celebrate this event. 21? Yeah. Bro, they won't look at you the same way anymore. You're a real man. You're a dangerous human being. Going for what? So I turned 21 at this talk and he gives me like, you know, somebody's son. Now you're a dangerous human being, man. Toi c'est 22, 21. Ruben c'est combien là chez toi? 22. Nous on ne demande même pas, nous on est déjà des vétérans. 53. 52. 52 demi. que l'ambiance, hein, on va changer la langage apparemment, il faut voir. Il faut voir toujours bien. Thank you.
Des lives ou bien tu veux juste qu'elles soient en live? Non, pas seulement sur live. Ah, ok, donc vous ne voulez pas record les lives. Après, on va te demander si tu veux record, tu vas record. Non, il y a aussi l'option de record. Don't worry for that. Just go live. Ok. And à la fin, tu vas appeler sur un registre. Ok. So, que je sois en live de all the time. All the time. Tu veux qu'on fasse tu l'envoies seulement chez le papa de Zedou. Si elle est amie, bien sûr. Oh non, elle, ça c'est peut-être. Ok, qu'elle like dans son nom. Il verra, je m'en ai la. Ok, qu'elle like dans son nom. J'ai donné. Tu connais le nom, non?
freiner là. Do you give this ring? Then pledge
that you promise to keep these vows and perform these promises. If so, answer, I do. I do. Thank you.
On va dire ça encore. Pas de pingal à la tour. Ah, réveillez-vous. Yeah.
Kenzo Bishi, Baji, Baji, l'honneur, Lelo. Papa. I'm good to be here. Mon quartas. How are you? Il est même fatigué là. Yeah, fatigué. Les albums. On va tourner clip. Donc, on a créé la conversation campagne. Exactly.
faire mon Mon copain est marié. Hey. Marié. Copoaf, papa. Copoaf. 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 Photo Copoaf. 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 Voilà les feux bouillants. Oui, oui. Il vient de manger suffisamment. La mouche est là. Il est sur la. Vraiment. Immortaliser ce moment. Nous, on va l'accompagner. Dès que vous êtes prêts. Donc, on va aller voir un endroit où ils vont s'échanger. Oui, à l'hôtel. On va rentrer à l'hôtel. Je dis merci aussi d'avoir accepté de nous partager ce temps avec nous. Vous avez sûrement laissé tomber vos préoccupations, vos occupations. Nous sommes très reconnaissants. Et nous voulons vous dire bon appétit déjà parce que vous mangez déjà. Et nous pensons que nous allons passer ensemble de bons moments. Je vais en peu de mots parler de celui-là, de monsieur qui est à l'honneur aujourd'hui. Et le grand frère parlera de la dame qui est à l'honneur aujourd'hui. Parce que c'est pour eux que nous sommes là. Le monsieur s'appelle Moïse Itoké La Casa Di. Il est le troisième d'une famille de sept. Et il vient derrière celui qui part. Donc, lorsque j'ai quitté les couches, c'est lui qui m'a remplacé. C'est un grand bon garçon, je peux le dire. Un peu brutal. Un peu brutal. Un peu seulement. Un peu seulement, mais un très bon garçon. Il a suivi les traces, comme notre père nous a laissé. Il a cru d'abord de dire trop jeune. Et il marche avec le Seigneur comme nous tous, nous essayons de le faire. Bon, je dis un peu brutal parce que j'en ai quand même payé hein, mes cahiers déchirés, les chemises et toutes ces choses. Mais c'est ce qui a fait la beauté de notre famille. Il est ingénieur en électro-mécanique. Il travaille ici. Et je crois que ce que je peux dire sur toi, tu viens pas ajouter quelque chose. Il aime manger les foufous, hein, comme tout juif qui se respecte. Et donc sans foufou, non, il dort pas. Merci beaucoup pour être là. Nous sommes si tu ajoutes un peu de brutalité, aussi, vous devenez des brito. Je suis sur la place pour nous parler un peu de la dame à l'honneur. Malheureusement, il n'est pas avec nous ce soir. Donc, je vais improviser et essayer de présenter celle qui nous a réunis ici ce soir. Elle s'appelle Rick Kapanga Kaidubi.
nommé ma famille, aîné la cadette de la famille. Ma petite cadette, c'est ma cadette, très capricieuse. J'aime toujours avoir cet enfant. Donc, elle a venu chez moi, je dirais. Elle est arrivée chez moi quand elle avait juste l'âge majeur, 17 ans. Elle est venue avec moi au Canada. Elle est venue avec moi à 6 ans, 7 ans passés. Donc j'ai été à côté d'elle comme, pas souvent devant mes grands frères, mais comme un ami, comme un conseiller dans la vie courante. Dans tout ce qu'elle faisait, elle m'initiait. Pas pour avoir mon autorisation, mais pour avoir des conseils. Et après, c'est elle qui décidait si elle prenait la bourse ou la droite. Donc, elle est là, très intelligente. Elle a étudié au Canada, à Calgary, et elle a fini ses études à Sierra. Dans la biologie, quelque chose qui a fait à la biologie. Elle est diplômée, elle est en train de travailler maintenant. Au Canada, elle travaille dans la maison depuis la COVID. Et quand elle m'a parlé de Moïse, je me suis dit voilà, je peux te conseiller dans tout, sauf dans ça. Je peux te conseiller dans ta vie professionnelle, je peux te conseiller dans la vie courante, dans les autres choses. Mais quand je l'arrive, Apparemment, je n'ai pas beaucoup de poids. Je laisse tomber. Qui veut dire quelque chose? Hein? Laisse tomber. Oui, mais. Très grave. Vous avez un mot.
Quelqu'un de Denise, bien aimé, un bon frère avec elle, un bon frère à l'église. Est-ce que tu as un bon frère? Mon frère, tu as la parole. Mets-toi debout, debout. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Je n'ai pas assez beaucoup à parler. Je tiens seulement à témoigner. Celui-là, moi, je l'appelle mon frère, mon ami. De tous les temps, on a passé des moments dans, je ne sais pas comment l'exprimer, quoi. On était tous des célibataires. Quand on pensait comment se marier, moi j'ai anticipé. Et je lui avais dit, mon frère, je serai avec toi du début jusqu'à la fin. Et on a fait beaucoup de parcours. Moi je ne peux que témoigner que s'il y a un compte des chrétiens sur cette terre, ce frère-là, c'est qu'on dit à l'ingala, n'a remis les mondo. C'est un bon frère pour moi. C'est ma famille, quoi. Je voulais juste te souhaiter, Moses, de la série, que Dieu vraiment puisse vous bénir. On a vu tous les parcours. Et comme votre grand frère a dit, Moses, il s'est mis sur tête, on a un peu ça, ma petite Moses. C'est ce que je voulais dire. Que Dieu vous bénisse. Maman. Quelqu'un a un mot à dire? Sylvain. Sylvain. Tu as un mot à dire là? J'avais deux, mais c'est zéro. Ok. Vas-y. Courage. Ça va aller. Bonsoir. Moi je suis la personne. Je vais pas demander sur les coups de l'église. C'est une bonne personne. C'est mon beau frère. Ça, j'aime vous. Je ne m'adresse pas à vous, je m'adresse à vous. En tout cas, je suis très fière de toi. J'aimerais que tu aies pour toi et que tu aies pour toi. Que le Seigneur t'accompagne, qu'il continue à marcher avec toi dans tout ce que tu apprends. Nous t'accueillons dans la famille. Sois la bienvenue et nous t'aimons. Amen. Ok, moi c'est Junior Bounyegou. Je peux avoir quel âge selon vous? 54 ans. Alors je me suis marié il y a de cela 9 ans déjà. J'ai 4 enfants. Alors Moïse, lui, lorsqu'il a eu envie de chercher une femme, il est venu me contacter aussi. Il m'a considéré comme un vétéran. Même si ce n'est pas vrai. Il m'a demandé conseil. Il m'a dit ce qu'il faut, ce qu'il y a. Et je crois qu'il a bien suivi les conseils. Et aujourd'hui, nous sommes très, très, très contents de le voir à côté de notre, j'appelle ça l'os de son estomac. En tout cas, nous sommes très contents. Ruth, en tout cas, tu es la bienvenue dans notre famille. Et je peux dire quelque chose sur Moïse. Cette fois-là, un Djilouba. Nika Djilou Moulayele. Moulayele, là. Voilà. Sommelouni Nika Djilou Wimba. Wamushema. C'est un bon frère. Il n'a pas besoin de vous dire des histoires pour vous satisfaire. Non, c'est vrai. Il est bon. Et nous savons bien déjà que Ruth déjà est bon parce que c'est bon, rien ne peut empêcher. Ça ne peut pas être ça. Donc elle est bon. Bon, c'est pas bon. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous sommes très très contents. Merci.
Hein? La famille, notre famille. Je ne connais pas assez, je connais. Tu es encore trop jeune. Quand je l'ai vu, je ne peux pas m'imaginer que je vais te reconnaître. J'ai appris le M, tout ça. Le grand frère, c'est la première fois de me voir, je suis très content. Que Dieu vous bénisse. La petite dose d'éducation que vous avez donnée à notre belle sœur, nous sommes reconnaissants. Et merci. Parce que ça n'arrive qu'une seule fois dans la vie. D'éduquer pour la première fois aussi une femme. Une fille qui est devenue une femme. Et là, quand vous donnez le temps. Nous vous remercions. Vous savez, l'Amérique. Une femme, une fille bien éduquée. À l'Amérique. C'est un diamant. Je sais, ça c'est. Je n'aime pas la qualité des choses. Atla! Atla! Nous sommes très bénis. Parce que ce que vous nous avez donné, c'est tout ce qu'on pouvait demander à Dieu tous ces temps. Le Moïse est béni. Voilà ta femme. Tu as pris la journée d'aujourd'hui, c'est parti. Tu as réalisé tout ce que tu pouvais. Ça, c'est la meilleure des choses. Alors, un petit conseil. Il n'y a pas seulement... c'est pas comme le couteau dans le beurre, tout ça, non. C'est ta responsabilité d'éduquer ta femme aussi. Jusqu'à la fin, jusqu'à la vieillesse. Tant que tu la vois là, elle n'est pas parfaite. Elle a des défauts qui doivent t'aider. Mais c'est normal. Dieu l'accepte, tu dois l'accepter, tu dois la guider sur le vrai chemin. Nous l'avons fait, donc c'est possible, tu peux le faire aussi. Alors, toutes nos mamans, nous vous disons merci. Et merci beaucoup pour surtout pour notre belle sœur. En tout cas, là, quand le dernier mot c'est soyez fécond. Beaucoup de bavards, hein? Voilà. Il y en a un encore. Frère Grâce. Mais il faut aussi laisser les deux parler, non? J'aimerais qu'il parle en dernier. Vous voyez, nous voulons vous entendre. Donc il faut vous préparer pour parler. En attendant qu'il s'apprête, hein, quelqu'un d'autre. Frère Grâce. Oui, je peux. Ouais, mets-toi debout. Ouais. Dieu vous bénisse. Amen. Maloukaï, hey yo. Non. En tout cas, je suis un frère qui prie avec le frère Moïse. Et on a deux petits témoignages. C'est quelqu'un sur qui on peut voir beaucoup d'humilité et beaucoup de pardon. Nous avons personnellement expérimenté. C'est quelqu'un qui a un cœur assez large pour pardonner. Que Dieu te bénisse bien aimé. Et garde ce cœur là, continue de cette manière. Et je vous souhaite tout le bonheur au nom de Jésus-Christ. Amen. Il n'y a pas un mot sur la main. Maman, tu viens dire quelque chose. Elle dit qu'elle veut dire quelque chose. Mais vous pouvez tromper, ça commence très mal. Dis quelque chose. Appuyant. Vas-y, maman, dis quelque chose. N'est-ce pas la bénédiction de Dieu? Maman, s'il vous plaît, d'abord, s'il vous plaît. Mettez-vous debout, vous tous deux. S'il vous plaît. Oui, oui, mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Et puis, Non. Je pose seulement une question, tu réponds et puis tu t'assois, ok? Est-ce que ce n'est pas ça la bénédiction du Dieu? Oui, c'est ça. Est-ce que je n'ai pas la réponse à toutes tes prières? C'est ça ou que je n'ai pas ça? Ok, mets-toi. Moïse, ce n'est pas elle que tu as choisi de toutes ces tâches. C'est elle. Est-ce que vraiment c'est elle? On a encore la possibilité de modifier les choses dans 24 ans aussi. Quand on fait qu'en celle ici, tu es trop faible. Est-ce que c'est elle vraiment? Que Dieu te bénisse. Maintenant, vas-y, dis quelque chose. Salut, je n'ai rien.
vraiment gloire à toi. Le tour de maman, mais... on va avoir un bon témoignage pour notre belle-sœur. Quand vous revenez, nous on aime bien. Donnez-nous quand même un bon témoignage. Maman Naomi, je commence par vous, s'il vous plaît. Maman Naomi, ah, c'est elle, ok. Un petit témoignage par rapport à notre sœur. Elle fait du bien toujours. Même si c'est A, on va accepter. Oh my God. Alors bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je suis très contente d'être ici pour le mariage de Ruth et Moïse. Je vous souhaite le bonheur du monde. Je connais Ruth comme une bonne fille, une fille souriante. Elle est toujours accueillante. Ruth est bénie. Je suis très heureuse pour toi. Alors, bienvenue dans le monde de mariés. Ah, merci beaucoup, maman. Ok. Maman, pouvez aussi un mot, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je suis très contente d'avoir la fille, la cadette qui honore la famille. Ce n'est pas au hasard dans ces temps ici. Pour avoir la cadette qui honore les parents, ce n'est pas facile. Mm-hmm. Je remercie Dieu et je lui souhaite toutes les bonnes choses dans le mariage. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Maman, il y a quelqu'un qui peut donner un petit témoignage. Ça fait du bien toujours. Papa, vous pouvez dire quelque chose par rapport à Ruth. Vous connaissez même pas Ruth, hein? Elle est là. Merci beaucoup. Vous connaissez qui est là aujourd'hui? Selma. Il y a encore Moïse qui vient de s'agir. Oui, Selma aujourd'hui? Oui, on a... Ok. Steffi, maman Steffi, s'il vous plaît. Steffi. Maman Steffi, s'il vous plaît. Nana, Steffi d'abord. Maman Steffi, s'il vous plaît, vous pouvez dire quelque chose par rapport à Maman Ruth. Que nous appelons déjà par la foi Maman Ruth. Tu vois pas que c'est, on est courageux là. Quelque chose, s'il vous plaît. I wish them all the best. Ah, yeah. Thank you so much. Quelqu'un d'autre qui connaît bien ma soeur Ruth? Oui, oui, on va le faire. Qu'on termine à donner des témoignages. Bonsoir. Bonsoir papa. Un petit mot par rapport à Maman Ruth. Un petit conseil. Uh-huh. Un petit conseil. Moi, personnellement, je suis marié. Oui, oui. Plus de 15 ans déjà de mariage. Oui, oui. Donc, je voulais m'adresser plus au couple. Ok. Jimbaka. Jimbaka qui vit la tortue. Si. On est pas bon là. Ce n'est pas facile. Il y aura des moments où on est capable de vivre. Bon, je suis là. Je pense que je suis rose. Alors, il y a pas mal de gens. Pour réussir mon Jimbaka, il faut premièrement Zambi Ikala Wadi Goudjen. Ça fait aussi partie, voyez, du kankamik. Ça dit que vous voyez, nous comment surmonter. Tante Moïse, vous dites que Moïse, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, tu vas tais toi, vous voyez, vous voyez, vous voyez, même en dit tout le temps, vous voyez, vous voyez, vous voyez, il est représenté par le travail de moi. J'ai dit oui, Moses, Ruth, vraiment, I love you guys. Et puis, on est très proud de ce que vous venez de faire tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Maman, vous avez un mot à dire? S'il vous plaît, maman. Même deux mots. Ça ne sert à rien de cacher ça. Elle ne parle pas beaucoup. Elle ne parle pas beaucoup. Mais elle écoute même beaucoup. Elle écoute. Ok. Quelqu'un a un mot à dire par rapport au couple? Bonsoir tout le monde. Premièrement, je dirais pour ma femme, je suis très heureux de me retrouver ici. Ce n'est pas une simple occasion, c'est à l'occasion du mariage civil de Moses et de Ruth. Et nous sommes très contents pour eux. Déjà, les premières impressions que j'ai eues de Moses, la première fois que je l'ai croisé, j'ai trouvé en lui que c'est une personne de très bien. Une personne calme, comme on l'a déjà dit, je ne reviendrai pas là-dessus. Je trouvais que c'est quelqu'un de sympa et avec sa femme, je trouvais que ce sont de bonnes personnes. Et je vais encore opter mon petit conseil que je leur avais donné. Il y avait un papa à moi qui m'avait donné ce conseil, qui disait que quand vous entrez dans le mariage, ne pensez pas que vous épousez un ange, vous épousez une personne qui a l'eau et le sang, comme on va dire dans notre langue. Et épousant une personne qui a l'eau et le sang, sachez que tous les jours ne seront pas roses, mais en général, nous savons que le mariage, c'est le bonheur. Il y aura des jours où l'homme décevra la femme, il y aura des jours où la femme décevra l'homme, mais l'essentiel, ce n'est pas d'être marié maintenant. L'essentiel, c'est de rester marié. Dans chaque foyer, il y a toujours des problèmes. Même le foyer que vous semble être le meilleur, il ne va jamais manquer de problèmes. Ne vivez pas dans une vie de comparaison. La comparaison aujourd'hui a donné beaucoup de résultats que nous ne savons pas dénombrer ici. Vivez votre vie comme Dieu vous laissera le faire. Et vous récolterez des bons résultats. Merci, que le merci, Seigneur vous bénisse. Merci, merci, merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Un autre témoignage. Dad, you want to say something? No. Okay. Excuse me, sir. Okay. Le grand frère a dit quelque chose. Je peux présenter les familles. Alors parle avec lui, il veut écouter quelque chose. Le grand frère. Ok, on demande qu'on présente la famille de ma mari. Famille de Moïse, hein? Ok, la famille de Moïse, mettez-vous debout. La famille de Moïse. S'il vous plaît. Mettez-vous debout la famille. La famille de Moïse. Mettez-vous debout la famille de Moïse. Moi, j'ai une grande famille. Nous avons la maman Rudy qui a venu. Pas de lui qui n'est pas venu aujourd'hui parce qu'elle est busy. Nous avons une liste là-bas, qui est sa fille. Rastihata Kanita, le mari de Christophe. Elle est dehors. Gongolo Georges Paul, le mari de Ruth.
William Bangomo. William Bangomo. Les deux sont là-bas. Il est en même temps ami de Moïse. Blondie Long. Kadiamba. Il est là-bas au coin. Hey, tu fais ton anniversaire aujourd'hui, hein? Et là, on va te chanter dans la carrière. Depuis il y a. Ruben Milambo. Milambo. Il y a Ben Kiswaka. Kiswaka. Vraiment. Et puis Jordan Lobo. Kadima. Ah, moi, moi, eu, Yunus Moulanga, Lobo, Mantumba. Peut-être que vous avez dit qu'il y a un homme. Et, quand on a dit, tu dis qu'on soit, tu es de Kadiata, bye. Bye, et puis, comme Mushia. Accéra, notre logo. Voilà. Et il y a un Américain aussi, il y a bien un watch watch watch. Donc voilà la famille qui nous accompagne. Oh. Puis c'est un choix pour. Curieusement, on m'a oublié moi. Et où Riska, Kabrika, Chihata, Kani. Voilà, voilà toute la délégation. Grande année. Bon, on va vous présenter quand même la famille du Mex. Et la charité vient d'offrir, commence par soi-même. Je vais commencer par moi-même. Je suis Kayou Didadi. Je suis troisième de la famille. Je suis ici avec ma femme, Yeti Moujina. Avec ma femme de Toumouzinga et mes trois enfants, il y a Jonathan Kayoubi, Abigail Kayoubi et Adrien Kayoubi. Et sur l'autre table, il y a celui qui vient après, celui qui vient après moi. Et Zoé Kayoubi, c'est ça. Moi, je l'appelle Tim Toumoukel. Il est là avec sa femme. Il s'agit. Et dès qu'il va me faire arrêter, je vais. Il est là avec sa femme Stéphie. Maman Stéphie. La main. Maman Stéphie. Ok. Avec Léa Bébé. Donc, à côté, la gare, c'est ma fille. Donc, la première fille de la famille. Elle est où? Elle est là. Grâce à Mouchia. Elle est là avec son mari. Avec son mari, tonton boss. Il est là. Tasmir. Voilà. Donc, là-bas à côté, il y a ma belle-sœur. La famille est grande ici. Il y a ma belle-sœur qui est là. Ma belle-sœur qui est là-bas. Tu peux te lever et parler. Il est ami avec toi. Vas-y. Elle s'appelle Meda. Meda Brana. Meda Anti-Devi. Anti-Devi. Quelque chose, s'il te plaît, Meda. Yeah.
Dis seulement que nous sommes au point de le même âge. Malgré qu'elle en aurait été. Mais tu sais que tu fais sur le Snapchat là, c'est les moments. Panne sèche. Je m'appelle mon nom est Eda, je suis la fiancée de David. Mais d'abord. Alors, je suis très contente. Amen. Donc, sur cette même table, il y a notre belle famille aussi. Ok. Naomi, avec Moussa Koumi. Donc, si vous avez des problèmes, venez voir Moussa Koumi. On va vous imposer les mains. Et la guérison est instantanée. Si cette table, ce sont nos beaux parents, donc c'est les papas et la maman des filles. Ok. Papa Kabamba et maman. Ok. Ici, oh, j'ai oublié la belle Rosette ici, qui est la petite sœur. Ok. Donc il y a Naomi, il y a Stéphie, il y a Stéphie, il y a la cadette, il y a aussi papa et maman. Voilà. Quelle bénédiction. Elle n'est pas cadette. Hein? Elle n'est pas cadette. Ok. Elle est quand même à la fin là. Ok. Ok. Donc là ce sont les amis de la famille. Ok. Sur cette table, j'ai mon petit Simon. Simon, le meilleur, Monsieur Simon. Simon qui est de avec sa femme, oui, oui. Simon qui est de Simon Koui. Ah. Simon Koui. Right. Avec ses enfants, ils sont là, avec la famille. Ok. Donc, sur cette table, vous avez encore la famille. Elle, c'est la grande sœur de Simon. Ok. Et lui, c'est notre beau frère. Ok. All right. Donc, ils sont la famille. Là, c'est les grands tata, les gouverneurs d'Iowa. Les représentants légaux. L'homme des interventions rapides. Ouais, ouais. Donc lui, quand il y a des problèmes, on l'appelle. Que notre là, déjà des. Que Dieu vous bénisse. Maman Germaine. Maman Germaine, que Dieu vous bénisse. La première fille. Mais c'est Kalonji. Ok. Ah, et puis nous avons le bébé là-bas. Vraiment. Ah, un beau gosse. L'homme qui va amener tous les troubles de la famille. Vraiment. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, bon appétit. Merci.